Alors, tu voulais nous parler du rôtissage, toi? Mais oui, parce que je t'ai vu mettre un peu de matière grasse. Donc, est-ce qu'on met du beurre? Est-ce qu'on met de l'huile? Est-ce qu'on met les deux? Est-ce qu'on met du beurre clarifié? Est-ce qu'on met du lait? Alors, certains même frottent, moi je l'ai vu aussi, le poulet au sel sans rien mettre, pas de matière grasse. D'autres mettent du citron. Voilà, donc on ne sait plus trop en fait ce qu'il faut faire, pas faire. Alors, je n'ai pas donné ce qu'il faut faire absolument, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je vous ai fait des expériences. Ici, justement, une cuisse et haute cuisse de poulet sans rien. Ici, j'ai mis du jus de citron, du beurre, massé bien généreusement, et comme tu le suggérais aussi, justement, de mettre que du sel. Et c'est le même temps de cuisson. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la matière grasse aide énormément à donner de la couleur. Le beurre, attention, parce que le beurre ne tient pas à la chaleur. D'ailleurs, on voit ici des points qui ont brûlé. Donc, soit beurre clarifié, soit même plutôt de l'huile, à la limite. Alors, c'est ce qu'on a fait. Le beurre clarifié, je vous rappelle, c'est un beurre qu'on fait fondre. On retire la partie des protéines, la partie blanchâtre, c'est ça. Le citron aussi est une bonne idée, puisque le citron... Mais j'en suis surprise. Oui. Ça contient de l'acide citrique. Cet acide citrique, il se décompose vers les 120-130 degrés. Donc dès qu'on va le mettre au four, on va perdre le côté citronné. Et par contre, cet acide va se décomposer et va commencer presque à brûler. Le sel, qu'est-ce qu'on voit? C'est intéressant. On voit quand même que le sel a déshydraté un petit peu. Forcément, quand on en met trop, ça va empêcher d'avoir une vraie coloration. Oui, parce que moi, j'avais fait avec uniquement du sel, ça avait bien coloré. Effectivement, la peau était très croustillante parce qu'elle était sèche. C'est ça, ça déshydrate. Tu vois, là, on le voit très bien. Moi, je pense qu'un mélange de tout ça, finalement, c'est du bon sens, quoi. Ce qui a été dit, c'est très juste. Masser la volaille avec la matière grasse, en l'occurrence le beurre, le sel fin. Mais j'évite le citron parce que j'ai toujours peur que le citron laisse une trace. Il y a beaucoup de poulet, de recettes de poulet au citron. Et je crois que ça donne du goût, trop de goût en tout cas. Exactement, c'est le risque pour moi.